Non, ça fait plaisir. Et puis, Né quelque part, c'est une chanson qui ne m'appartient plus maintenant. Elle a été traduite dans plein de langues bizarres. En plus, le bambara, le kabyle, le malgache. Et puis, c'est une chanson qui m'a aussi beaucoup lié avec les rappeurs. Ouais. Beaucoup de groupes de rap m'ont demandé l'autorisation De sampler, de sampler Né quelque un part. truc. Et ça, c'est bien. C'est une chanson qui est faite pour réunir, finalement. On a quelques versions de Né quelque part, nos copains de trio. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Ah oui. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Également Angoon avec Angélique Kidjo. Est-ce que les gens laissent go à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Abat-toi là-bas, y'a tout le monde. Le grand Kidir. Yonou l'ifrini maoulan, akudouan chedi ferouri. Yonou l'ifrini zinqa, tizé l'ipari. Un rayon d'accord, maknadi vdou tichli. Juliette Gréco. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Et il y a deux semaines, sur son nouvel album, la chanteuse Ayo. Je suis née quelque part. Je suis née quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Et Ayo, ici, dans ce studio, en interview, elle a dit que... Alors, c'est la première fois qu'elle enregistre en français. Ouais. Et elle a dit à quel point cette chanson était importante pour elle aussi, pour ce qu'elle lui disait. Elle, qui a des origines un peu partout dans le monde, mais qui est née en Allemagne, qui vivait en Jamaïque, etc. Et de se dire, je suis née quelque part. Elle dit, ça a l'air simple, et pourtant, ça simplifie tout, ça règle beaucoup de problèmes. Comment cette phrase vous est venue? Pardon, ça m'est venu parce que j'ai un fils, mon fils aîné, Philippe, qui était dans une petite école, il avait 5 ans en 86. Il était dans une petite école spécialisée dans les enfants qui avaient des difficultés de langage. Ouais. Donc il y avait les malentendants comme lui, et il y avait aussi beaucoup d'enfants d'étrangers qui étaient là. Et son meilleur pote, c'était Francis, qui était né en France, de parents boat people, de parents vietnamiens. Et les lois Pasqua voulaient que un enfant de parents étrangers né en France ne soit pas français, mais demande sa nationalité à sa majorité. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'ils vont avoir les mêmes profs, peut-être les mêmes filles, ils vont peut-être voler le même scooter à 15 ans. Et il y en a un qui se fera engueuler par son père, par un flic ou par un juge, et l'autre qui se fera virer de son pays natal. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, vraiment? Voilà. Ça vient de là. Et cette chanson, elle a beaucoup marqué, oui, les auditeurs. Ils ont envoyé plein de messages. Énormément de messages. Et donc, s'il vous plaît, chers amis profs, ne punissez pas les enfants dans un devoir sur cette chanson, mais continuez à l'apprendre. Et